Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre édition de Allen TV en direct. Ici Patrick Iliansi. En fond, c'est que là, soit ici avec un dossier canal là. On allait d'abord en République dominicaine, côté que partie haïtienne, non, ce fort, dans la Dahabond, il y aurait l'ouvrir, donc à partie haïtienne, non, ça a été fait dimanche. En façon, on voit mec que commerçant qui était marchandise, il y a un marché bien là, qui était fermé justement de façon et rapide par le président Luis Abinader pour le Gabal prend marchandise. Donc, réunion ça a été faite dimanche après-midi, côté que commerçant a été profité pour vendre quelques produits avec Dominicains et ceci vice-versa. Et différents mondes t'a posé question pour que ça, mais faut y arriver d'ouvrir, puisque quand même, Dominicains ouvrent faut y à ces conditions. Et nous pouvons apprendre que justement, ces résultats, il y a une rencontre qui était faite dimanche 15 octobre entre aux délégations d'hommes d'affaires dominicains avec commerçants haïtiens et aussi autorités haïtiennes dans la zone. Président Fédération Association Commerçants du Nord-Est, M. Clément Pierre, fait qu'on est parti haïtienne. Non, sous frontière, dans Dahabond, a prêté fermé une fois que les commerçants haïtiens ont fini de récupérer les marchandises qui ont été gagnées, les voisins, mais aussi les matériels de la machine avec un moto, selon Pierre. Selon M. Pierre, le gouvernement haïtien a exigé que les frontières aient été fermées dans la partie haïtienne. Il faut qu'on dise que justement, question canal-là, il a été fait gros débat dans l'OEA, organisation État américain, côté qui a gagné, il y a une séance extraordinaire qui a été faite jeudi 12 octobre sur le conflit entre Haïti et la République dominicaine. Ambassadeur en pays d'Haïti, M. Léon Charles, représentant permanent pays d'Haïti, a réaffirmé position gouvernement qui campé ten face que le canal là lui-même n'a pas campé. Léon Charles croit que le dialogue doit continuer, c'est vrai, entre deux pays, mais le fait n'a respect en série de principes qui régirent le rapport entre deux pays. Ensuite, on extrait l'intervention de M. Léon Charles. Mon pays traverse un moment des plus difficiles de son histoire, où des gangs armés tuent, volent, violent, pillent la population et commettent des violations atroces des droits humains. Pas plus tard que la semaine dernière, une douzaine de policiers ont été assassinés en service. La résidence officielle du Premier ministre a été l'objet d'attaques de bandits armés. L'aéroport international a été pratiquement pris d'assaut à l'heure où le Premier ministre revenait de la rencontre de la CELAC. Le commissariat de police de Pernier a été détruit à l'aide d'engins lourds par des chefs de gang contrôlant cette localité de la commune de Pétionville. Il importe de signaler qu'il y a deux semaines, ce même groupe de bandits notoires a conduit une offensive contre des policiers appelés à secourir des familles en danger. Cinq valeureux policiers ont été assassinés lors de cette attaque. Si ces actes crapuleux ne constituent pas une menace à l'existence même de l'État, aidez-moi, chers collègues ambassadeurs, à les qualifier. Monsieur le Président, selon le dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies concernant la situation politique, économique et sécuritaire en Haïti, plus de 2000 homicides volontaires ont été recensés en Haïti. Des chiffres qui font froid au dos. Pour faire face à cette grave situation, le gouvernement de la République d'Haïti a sollicité en date du 9 octobre 2022 l'appui de la communauté internationale à travers des principales organisations dont Haïti est membre fondateur, l'OEA, certes, en vue d'accompagner les forces haïtiennes dans la lutte contre cette insécurité grandissante. Monsieur le Président, convaincu du fait que la solution au problème du pays doit passer par un dialogue constructif entre les fils et filles de la nation, le gouvernement et les différents secteurs de la vie nationale ont paraphé un accord en date du 21 décembre 2022 dénommé « Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes ». Pour arriver aux élections prévues dans l'accord, les acteurs reconnaissent à l'unanimité que la sécurité est une condition essentielle. La délégation haïtienne remercie les États membres de cette organisation qui ont contribué à aider le gouvernement à entrer en possession de matériel commandé au profit de la police nationale. Elle remercie également ceux qui ont imposé des sanctions contre ceux et celles qui sont associés au financement des gangs. Cependant, sans l'appui d'une force internationale sur le terrain pour aider la police dans ses opérations et pour aider les autorités du pays
à poser les bases pour sécuriser le pays à long terme, Haïti ne retrouvera pas la sécurité désirée. En ce sens, la délégation haïtienne réitère auprès de cette organisation la demande du Premier ministre adressée au secrétaire général en octobre dernier. Il y a plusieurs façons de contribuer, en troupes, matériel, financement, formation et par d'autres moyens jugés utiles. L'assistance internationale devrait aider les forces de sécurité à contenir définitivement le phénomène des gangs armés, à rétablir la paix et la sécurité pour l'organisation de l'élection générale et à construire un système de sécurité capable de garantir la stabilité du pays à long terme. Voilà, nous sommes sur une excellente intervention, M. Léon Charles. Et bien avant, nous connaissons que tu as gagné en pile et débat que tu as fait sur la question ça, sur la position haïtienne, surtout après l'intervention du Premier ministre Ariel Henry dans les Nations Unies. Nous voyons que jusqu'à présent, toute la déclaration ça aurait été au niveau théorique de la pratique. En pile, le monde qui a travaillé sur le terrain, nous allons la mettre par la présence de l'État pour accompagner et bien, les paysans et les ingénieurs qui ont fait travail là avec Zonio. Mieux vaut tard que jamais, l'Association Industrie Pays d'Haïti a dit de saluer détermination eh bien, avec la solidarité communautaire dans Wanamet qui prend la construction canal là en main. A dit demander au gouvernement pour quitter les frontières arrêtées fermées avec la République dominicaine. L'industrie d'Haïti a dit, dans tête collée avec l'État, avec l'autre association patronale, ils ont élaboré un plan. Pour capable, alors il y a un plan d'action pour répondre, pour avoir une réponse à la République dominicaine, vous rappelez qu'il était fermé frontières de façon unilatérale. Le 13 octobre, c'est passé là, vendredi dernier, autorité dans la douane à Belader, zone en République dominicaine, a saisi quelques camions avec plusieurs cartons et œufs pour environ 15 000 cartons, par exemple. Ces marchandises cachées qui sont rentrées en contrebande sous zone frontalière. Samedi, autorité dans Belader, collaboration avec la mairie de Belader, ils ont détruit les œufs. Selon la douane dans la zone à Belader, cargaison SAIO était obtenue à partir de bien, coulage de contrebande qui a fait entre un businessman haïtien d'origine dominicaine qui a montré que c'est des commerces illégaux qui a fait. En pile fois, commerçants utilisaient la frontière pour faire passer marchandises dans contrebande ou encore ils ont fait raquette avec agents douaniers, des fois ils ont tenté de corrompre. Il y a un pile de secteur dans le pays qui a prôné pour que Haïti vienne en sorte de pays plus indépendant par rapport à la République dominicaine pour que nous développions l'agriculture, pour que nous travaillions au niveau de renforcement de la production agricole, bien que l'État, dans la situation à terre plate liée là, a pratiquement perdu la Tibonite. C'est Bandio qui a même érigé en maître seigneur dans la Tibonite. La Tibonite n'a pas perdu vocation pour la fête du riz, puisque et toute plantation est un petit peu abandonnée. Il y a un peu de monde qui court, qui quitte la zone, il y a qui partit à la programme Biden, regardez ODVA, Organisation de développement de la Tibonite, est pratiquement pas opérationnelle. Donc, canalio pas curé, paysans ont lagué pour continuer, pas gagné irrigation qui est faite, mais aussi et surtout, pas gagné engrais pour permettre que, eh bien, production fait notre bois, ce qui fait que pays a lagué à lui-même. Votre pays a lagué dans le même pays étranger. Et même au niveau tout de l'industrie haïtienne, ils n'ont pas fait aucun effort pour faire production locale. Alors, regardez qui genre investissement fait au niveau de importation du riz et tout produit comme sortir à l'étranger. Alors, sur les businessmen en Haïti, ils ont plus aller dans la facilité d'importer produits étrangers au lieu que ont fait investissement au niveau local et permettre que gagner une mécanisation du secteur agricole, par exemple. Investir dans la zone provinciale permettre que gagner des usines de transformation paysans à produire du riz, d'avoir une usine sous place pour produire du riz et plutôt pour permettre que les vendre sur le marché local, pourquoi pas, vendre sur le marché international. Donc, on a perdu vocation ça, qui dit que pays a son pays qui est essentiellement agricole sur le marché, ou que c'est surtout pays étranger qui envahit le marché avec du riz un peu partout. Au sort de la session de l'Alentie mondiale, la propose, la tournée d'alors.
retour, vous êtes toujours sur l'Antilles on the air. Donc, un premier invité nous sur le plateau, c'est M. Kistner Jean-Marie, qui est un politologue et qui produit un livre tout sur les relations pays d'Haïti en matière de migration. On voit d'abord au niveau politique, on fait un petit sur la situation pays d'Haïti, sur une situation qui est bloquée, et ceci a affecté différents secteurs, économie, sociale, éducation, santé, pratiquement tout indicateur au rouge par rapport à un pays qui n'a pas fonctionné. Qui pourrait dire que tu parles? Alors tout d'abord, nous saluons Patrick et nous très contents pour nous avec vous aujourd'hui. Hein. Donc, c'est un plaisir pour moi-même. Merci pour ce qu'on invite. Ouais. Tout d'abord, pour nous parler des crises ou bien des situations actuelles, lamentables que le pays nous a traversé là, que c'est vraiment difficile pour nous décrire exactement et tout et comment le monde a senti ça. Mais là, nous regarder comment mon acteur principal nous yo et mener pays en situation ça qui une situation qui était qu'à éviter bien avant parce que considérer quantité expérience et nous fait avec les gens de crise ça yo pour nous arriver jusqu'à aujourd'hui depuis après 80 et après Duvalier nous avons démocratie qui en route qui pour quoi jamais atterri donc ça et nous avons ensemble des acteurs pas égoïo, pas envie pour faire paraître et comme numéro un dans tout espace. Donc ça a une cause que nous avons une crise perpétuelle qui continue à Taïbanda et dans le pays et qui pourrait provoquer et des situations graves qui pourraient faire un paquet de jeunes obligés de quitter le pays et un pile espoir pour le perdre et un pile vie tout pour le perdre. Donc là et encore et malgré ça nous sommes censés dans une situation côté mais acteurs là dans pays hein quoi acteurs internationaux pour que j'aime carrément nos points d'entente ou bien en façon pour nous t'ajouter nos solutions et avec crise ça moi-même personnellement comme toujours dit que il y a des crises ça qui provoquent particulièrement par acteurs en dans la cour hein, donc il doit joindre des solutions et nationaux c'est-à-dire c'est monde qui est dans pays hein, qui doit travailler et qui doit et montrer sentiment d'appartenance et patriotisme yo, pour porter une solution et correct avec genre des situations ça au moins pour redonner l'espoir avec les jeunes yo ti moun qui a vini qui a grandi yo mais je dis nous ka remarqué que toute institution yo a genou yo presque inexistant nous gon l'état nous pas connaissons s'il existait donc il gain toute définition sauf on l'état et qui a fonctionné normal donc ça est comme étant et politologue ou bien comme étant être humain là nous toucher parce que politique même si joindre et meilleure formule pour trouver un bien-être social, un bien-être pour tout le monde. C'est ça. Moi, quand on dit des fois que l'État, c'est pratiquement image société, parce que l'État formé à monde qui sortit l'école, l'université dans le pays, ou bientôt à l'exception, ça qui sortit à l'étranger. Donc, reflet l'État, c'est reflet société, c'est produit pays qui a à travers l'État. Ou bon, l'État qui est irresponsable, qui a des gens là-dedans qui ont imposé. Vous regardez les gens qui sont dans le pays, ce monde que les syndicats des ambassades de corps groupe imposés. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas impliqués dans rien dans le pays en termes de prendre décision pour résoudre problème qui est sérieux. Parce qu'en deux ans, en réalité, ils résoudre problème, mais quand même, et même au niveau peut-être pour ton amélioration de l'insécurité, au niveau social, monde qui a condition de vie dégradé, monde qui a abandonné les zones qui vivent, bandits, fait au courir. Vous avez l'impression qu'au niveau de société à tout, ils ont laissé aller. Gon bayvague ou pas en termes que élite ou pas aucun secteur qui prend en position ferme qui dit qu'on s'arrête là c'est la naissance. Et ça qui a passé dans le pays hein, c'est un bagage planifié et organisé et les un bagage planifié organisé structuré les difficile pour démontrer. En pile fois nous toujours accusé étranger et accusé international là dès que c'est eux qui traînent nous là mais à chaque fois que nous dans une situation comme ça me trouver que me peur et moi grand pile qu'elle sauter pour 15 20 30 ans encore pour nous pas dire même parole ça encore parce que n'a déresponsabilisé et nous-mêmes et personnellement qui t'a doué gain responsabilité pour changer la donne et ben on notre direction par exemple et si bien nous avons toujours gain d'autres
sur tout dirigeant qui passe, que international toujours gagne main dans deux. Mais en pile fois main qui dans doit, c'est parce que nous-mêmes et comme haïtiens et nous pas créé conditions, nous pas créé la vie en dans espace pour nous choisir décider. Nous plus croit que son monde d'ailleurs qui capoter une solution et avec et ça n'a vivre là. Pourtant personne monde pas qu'à vivre douleur ou même ou gagner. Donc personne monde pas jamais connaît qui médicament, qui traitement ou doué et suivre bien pour et au moins douleur ça et diminuer ou bien et effacer. Donc je ne jodi en ça qui gagne en Haïti, en gros premier ministre Jean Dilan qui presque n'ta quasi que qui est imposé par la communauté internationale. Donc, même si il a gagné appui la communauté internationale, comme étant haïtien, comme étant être humain, l'on imagine, ou bien madame, ou bien petite, et on série des mondes qui ont pété couille qui étaient là, qui sont capables de dormir devant le cabane monde, l'on imagine un paquet de jeunes plein d'avenir qui sont obligés de prendre n'importe, utiliser n'importe moyen pour quitter le pays. Donc, comme être humain, tu as supposé dire, waouh, et qui ça m'a fait? Est-ce que je dois retirer tête moi ou bien est-ce que moi je dois mettre tout comme à fond pour me changer ça pour au moins même dans l'histoire m'arrêter et comme au monde qui te rend compte que en situation t'es mal pour me changer par exemple et pour me fermer rapide pour vous. Par exemple en Équateur et récemment grand président qui s'est élu en avril 2021 donc tu as une crise et là-bas et sécurité et insécurité qui t'a valé terrain économique et l'autre et vient pousser avec des manifestations violentes et qui poil et côté on va l'accuser président Guillaume Lasso et comme monde qui t'a et Michel Moulasso comme monde qui t'a pas et dans corruption donc et ils font premier vote pour destituer lui et premier jour donc et après toute une journée de débat et puis dans deuxième jour il pourra destituer lui comme en Équateur dans la constitution 2008 ça qui vient et te gon possibilité au ban de la constitution président gain droit pour le faire ça ne relé moelta clausada qui c'est mot croisé et c'est traduit dans la langue français donc ou qu'arrive un moment souverain contre qu'on pas qu'à continuer ou destituer ni ou même et ni parlement et ces décisions ça monsieur te prend son décision pour payer parce que le rend compte pour le faire décision avec président donc pour qu'il ton vide dans tête l'état et qui pour le bail avec presque on t'a dans forme d'anarchie parce que papa le grand dirigeant normal il décide lui-même tout malgré le mandat 4 ans donc il décide lui-même et mettez mandat là sous table là et mettez mandat tout le monde sous table là il fait et une élection avant l'heure qui bal en élection anticipée voilà donc, c'est un citoyen qui est conscient de réalité pays il pas voulu quitter pays effondré sur lui donc on est là donc il préférer ça fait sacrifice pour pouvoir mais là quand nous pas conscient de ça nous pas conscient que la nécessité de qu'on arrive avant même et rideau à fermer sur il est préférable qu'on faire qu'on sorte avant l'air parce que alors ça fait un petit à l'heure implication internationale c'est parce que un ensemble de acteurs politiques et même dans le secteur privé qui marre dans le pied international là et gardé depuis environ l'année dernière 2021 quantité sanctions que Canada bail États-Unis a bail même la République dominicaine permettait bail sanctions tout à des politiciens et à des hommes d'affaires en Haïti quelque part bon bagage qui pas marché parce que c'est vrai nous pas un dossier accusation que on fait sur politiciens avec homme d'affaires mais si Canada décide de prendre sanction contre monde si les États-Unis décide de prendre sanction contre monde récemment là gain sur les Américains Anthony Blinken qui a annoncé gain sanction pour aller prendre un groupe de compatriotes Nations Unies a annoncé sanction c'est dire que monde ça sûrement gain des données dans main yo gain information comment avec nous pas gain qu'est-ce là et aussi simple au Kaweli tout ça yo, nous résumer le comme ça non son peuple qui pour quoi fin conscient de nous que nous-mêmes nous capables vivre et pendant la collaboration avec n'importe l'autre nation mais nous capables vivre là caille nous ca faire des belles bagailles dans la caille nous et ça qui causait chaque fois qu'on a une chance pour arriver prendre pouvoir premier réflexe qui dans tête lui comment me ca faire pour me retirer famille plus proche moi en Haïti. Là pas gain sentiment et d'appartenance patriotique qu'a gérer encore. Là directement c'est question de survie. Donc immédiatement là faut me profiter prendre tout ça qui possible pour me prendre et puis pour me sortir. Et c'est une raison qui générer corruption qui générer mode d'insécurité ça qui gain en Haïti. Insécurité ça acte que ce soit dans secteur économique politique là créer li son façon pour générer la peur la caille population et immédiatement gain peur la caille ou bien caché ou bien courir quitter espace là ou faire silence pour tant dans mort et qui s'est passé monde ça qui générer qui créer et forme de sécurité ça yo profiter pour faire fortune parce que on connaît que là c'est pas moment c'est passé à passer et parce que faut
une révolte nationale. Pas gens n'ont toujours fait depuis des temps boule écrasée, mais son conscience collective. Il faut qu'on ait un groupe, quel que soit le monde qui est dans la diaspora ou bien à l'intérieur, pour dire hey, nous devons être conscients, quel que soit le côté arrivé, le regardo, même si vous parlez l'autre langue, même si vous parlez n'importe quelle langue ou dans l'autre pays, vous avez un passeport, le regardo, qui côté sorti, côté famille ou sorti. Donc, si la caille est belle, quel que soit côté arrivé, il y a peut-être pire bien. Il n'y a pas besoin de discriminer ni rejeter par l'autre pays, ni par l'autre peuple. Voilà. Nous avons causé avec M. Kestner Jean-Marie, qui est ici avec nous dans l'Institut de la TV. Et justement, pour nous causer sur la question problématique en pays d'Haïti, il y a des responsabilités d'État et responsabilités élites. Nous avons tourné après la pause d'été avec nous. Bonjour, vous êtes toujours sur l'individu d'hier et n'a causé avec M. Kestner Jean-Marie, qui c'est en passant le petit frère de Père Rinald Jean-Marie, qui c'est un côté noboïtien dans l'église de Notre-Dame. Et m'apprécier la façon dont M. a articulé, au senti que Père Jean-Marie a gagné une compétition puis devant. Hein, pas vrai? On allez. Ou dites que vous êtes en Amérique latine et vous produisez un livre sur la migration haïtienne. Ce phénomène que nous avons observé depuis ces 10-12 dernières années, il y a un pile haïtien qui a couru des pays. Haïtien de Grande Bretagne, effectivement, a entré ici aux États-Unis. Haïtien de Grande Bretagne, en bas fil, aller en République dominicaine. Mais de façon massive, nous voyons que il y a des portes qui l'ouvrent Brésil, Chili, je ne veux dire la grande route. C'est en Amérique latine, Pérou, Colombie, débarqué sous zone Tijuana, dans zone frontalière entre Haïti, entre les États-Unis et le Mexique. Qui analyse au fait sous forme migration ça, qui pratiquement forme exodus, côté que c'est pratiquement génial, crème pays qui a quitté l'heure. Peut-être, et grand fois, je me dis, monde qui n'a pas gagné, même pas qu'à immigrer. Donc, c'est triste et phénomène migratoire ça qui en Haïti et qui n'a vu en Haïti je ne veux dire et c'est pratiquement crème pays hein, c'est pratiquement et fitu pays hein, qui absence quitter pays hein. Migration en Haïti c'est pas un phénomène et nouveau mais c'est un phénomène qui là depuis et presque Mtakazo et commencement et 20e siècle depuis à partir de 1915 donc il commençait gagner et phénomène migratoire en Haïti donc avec arrivée américaine en Haïti pour continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc et bon il était dit en quelque sorte gagner mon était voué Cuba dans plantation de canne à sucre puisque américain de gagner usine de plantation dans Cuba. C'est le même tout, puisque les Américains ont été très impliqués dans, des dans la production et sucrière et à Cuba et en République dominicaine. Dans l'année, il y a des gens qui immigrent volontairement et des gens qui forcent quitter le pays. Hein. Et soit yo te planté yo yo pouvin pa gen côté pour yo et continuer planter donc yo obligé à travailler soit à Cuba dans Canasic ou bien en République dominicaine donc et après ça vague migratoire pour continuer sur Rey et les Duvalier donc côté pour jeune gen moun paquet de jeunes intellectuels pour obliger quitter pays hein, pour aller soit et nanti française yo soit en Europe en France principalement et Canada États-Unis c'était des côté nous te gen pile jeunes et professionnels médecins qui était venu par exemple au moment et nous te gagné une année et c'est quand on te gagné plus médecins et haïtiens qu'à New York qu'en Haïti
et qui t'a occupé et par exemple et le principal hôpital nous gagne qui c'est l'hôpital général à Port-au-Prince. Donc et pour me dire son façon pour me dire t'es toujours gain migration mais et génération pas nous yo et migration t'a pas baissé après départ du Valais par grand pile monde qui t'a pas retourner et comme ça tout situation pas t'a pas un petit gens et pas dit 3 millions non mais plus ou moins et puis ça t'a pas baissé et diminué et flot et migrant yo mais ça va remonter encore et dans chaque époque qui gagne régime yo par exemple sous Aristide pour un moment grand pile monde pas quitter et mais dernière vague migratoire que nous même n'a vive kounya c'est ça qui commençait à partir de après 12 janvier et pour grand pile majorité pays Amérique latine pour l'ouvrir porte pour nous et nous pour commencer plonger en pile là nous pour immigrer pour question éducation et l'autre pour immigrer pour question travail économique et l'autre même pour immigrer parce que par volontaire il dit bon j'aimerais payer et là et faut moi aller regarder comment moi ca et font l'autre expérience dans l'autre pays. Est-ce que c'est dans le cas où tu es allé en Argentine, qu'on a côté fait 10 ans en Argentine? Justement c'est là où pour inspirer l'équilibre ça sur la migration haïtienne. Voilà. Donc moi-même, moi immigré en Argentine dans le commencement et année 2014, moi allé en Argentine et là moi allé dans cadre d'études et parce que avant moi j'ai toujours rêvé d'étudier en Haïti et travailler et même et investir capacité ou bien et connaissances que m'ta pas l'acquérir et dans zone côté moi sorti principalement nord-ouest qui c'est une zone et qui toujours paraît comme que et dans pays mais c'est une zone yo considéré comme ça au pratiquer la nécropolitique c'est-à-dire son zone qui doit mourir donc pour toujours permettre que et grand série des avantages yo joindre l'état toujours créer ça et dans tout pays donc ça et pour me tourner pour me dire et moi arrivé dans commencement 2014 en Argentine c'est là moi t'a faire et moi étudier sciences politiques les relations internationales et côté moi gon licence et moi gon spécialité dans question et politique migratoire et politique en Amérique latine et Caraïbes. Alors les noms ouais mon voyage à l'étranger il y a deux aspects il y a monde qui a fait promotion sociale on avait créé opportunité ba tête d'étudier il capable gagner un bon job et puis tout il capable bon ressources pour le pays. Donc ça on remarqué en Haïti c'est que c'est crème pays a cap quitté ou même on parti dans condition d'être porté à étudier mais il y a monde c'est forcé envahi zone pays Amérique latine gagner qu'on y a là de façon sélective dans programme Biden et c'est des monde qui déjà abrité avec force courage force connaissance puisque même moitié majorité du pays a jeune et voilà que c'est des monde sont cap quitté au même raison que l'état pas un problème l'état à l'aise que crème pays a parti. Par exemple, en Amérique latine, trois cas moun qui t'allé pour me partir 80% dans yo et dans toute recherche que me fait, pas de gain plus que 40 ans. C'est-à-dire tu es en bas et dans 18 jusqu'à 40 ans. Pour montrer que nous avons une population et niveau et durée de vie nous connaissons déjà. Donc ça vient dire par exemple en Argentine principalement que moi font études sur et situation et migrants haïtiens ou là-bas que au moins par exemple on était travaillé non seulement avec l'État argentin et l'État haïtien à un certain moment là-bas donc moi connais et trois cas pour ne pas dire 95% et migrants haïtiens qui en Argentine c'est des mouns qui sortent en Haïti à partir de 18 ans qui finissent faire filo qui en Argentine parce que Argentine à un certain moment et nous avons un accord qui était signé en 86 avec eux, un décret qui te permet que les Haïtiens capables d'entrer en Argentine sans qu'ils n'ont pas besoin de visa. Immédiatement, qu'on a justifié que vous faites tout, ils sont le plus souvent des bon visa 3 mois, de vous justifier qu'ils sont venus en Argentine, donc vous pouvez entrer sans problème pour acheter ticket et aller. Ça qui t'a pas fermé en 2018 avec le président Mauricio Macri. Mais c'était sur ton politique pour t'éviter et vague migratoire qui t'a commencé à monter et passer d'arrière pour venir aux États-Unis parce que l'Amérique latine t'est venue tourner et canal principal et migrants pour te passer soit Argentine c'est ton porte qui est facile pour Haïtien entrer et en pile cas et yo te joignent que gen moun ki pran ou libre soit haïtien pour entrer à Argentine et de Argentine pour monter Pérou Bolivie donc traverser Équateur pour monter Colombie et passer Panama pour entrer Mexique jusqu'à États-Unis. Mon cher grand ami qui explique moi histoire sa trajectoire là pour moun yo sorti ou bien Brésil ou bien Chili puis passer Pérou pour passer Panama yo passé environ 10 pays pour avant yo rentrer dans frontière avec le Mexique pour venir espérer venir aux États-Unis et son marque est pénible.
Dans le livre que j'ai écrit, j'ai eu une chance de contacter à peu près 25 Haïtiens, jeunes étudiants en médecine, en administration, en économie et ingénieurs. En ingénieur. Donc, dans les jeunes, avant de finir d'écrire le livre, après l'interview, je finis faire, avant le livre sorti, et dans 25 ans, à peine, c'était 3 qui étaient en Argentine. Et dans tout les jeunes, ça tout obligé pour même pas courir à pied. Donc, jeunes, ça la majorité dans eux, ils plus bas que 25 ans. Donc, là, on prend route, ça a gagné contact encore. Là, on parle avec eux, après, on raconte histoire, là, on prend route pour sortir Argentine, puis on monte, arriver au Mexique, en pile dans eux, et 10 pays. Par exemple, on prend Argentine, et Bolivie, Pérou, Équateur, des Équateurs pour Colombie, des Colombie ou virer ou tomber Panama, des Panama pour aller prendre Honduras, Guatemala, Costa Rica jusqu'à Brésil et Mexique. Et là, arrivé sur frontière Mexique là encore et avant même entrer Mexique, frontière qui barre là avec les pays Salvador et Honduras là, Costa Rica et Honduras là. Et donc au grand nombre de temps pour faire là. Gagner on fait n'importe 3 4 5 mois là. Et donc il a vécu dans des conditions pénibles, difficiles. Et puis après ça, pour continuer jusqu'à ce qu'il arrive dans la frontière qui gagne entre les États-Unis avec le Mexique. Et pour espérer ici, les années, vous considérez comme Eldorado. Oui. Maintenant, à travers le livre, qui ça voulait faire passer comme message, Kessner? À travers le livre, ça, c'est un livre qui m'écrit à partir d'expériences moi en Argentine. Argentine, c'est un pays qui accueille les migrants. Il y a une place à faire. Mais ça m'a constaté, donc, gagnons bagay, et Haïti dans la liste noire, majorité pays, et d'accord, Haïti dans la liste noire, même pays en Amérique, qui même côté avec lui. Donc, je n'ai pas étudié, il n'y a pas qu'en Haïti. Je n'ai pas étudié, je fait carrière en sciences politiques, et non, l'école politique, une meilleure l'école politique qui gagne en Argentine. Donc, et professeur, un grand professeur qui est étonné, il parle de Haïti en Amérique, il est étonné. Ou qu'a saisi un professeur technologie l'idée pour moi. Donc là moi rend compte trois quand monde pas connaît en Haïti et puis pas gain trop détails information sur tapé en Argentine sur besoin connaît situation haïtien comment le faire migrer comment vivre qui laisse lié côté le sorti sur elle rivé là en plus fois qu'on poser nous question ça l'aime débarquer en Argentine. Non, c'est peut-être voulu. C'est voulu. Voilà. Donc il y a pas connaît formation. Il y a pas gain information. Alors moi dit au moins, il faut quitter ton héritage là-bas, pour si là où cap venir, parce qu'il y a des Haïtiens qui fêtent là-bas. Et au moins, tout, il a commencé à avoir information. Et puis là, tout, il faut mettre sous la situation. Mon après, en dans le livre, il y a trois parties là-dedans, qui sont la première partie côté moi, et non seulement et travail sur questions scientifiques, et qui ça qui migration, phénomène, nan, comment il évolue. Et puis après ça, je parle de l'histoire de migration, comment lui-même fait. Et, partie de nous-mêmes quotidiens haïtiens et on l'autre côté moi mettais et en évidence situation et difficulté haïtien ont gagné pour intégrer eux et ça ont gagné comme spectative et ça y a vivre les arrivés en Argentine. Donc là moi et dans le où je viens haïtien qui explique moi mais pour comment on saute Haïti mais comment on fait parcourir l'arrivée argentine et l'arrivée argentine. Mais l'expérience que tu as gagnée et l'arrivée argentine tout à fait contraire de ça. Parce qu'il y a plus de fois là, quand nous, qui s'en grandit comme haïtien, que c'est Haïti qui pas bon, immédiatement traverser les frontières tombées République dominicaine, c'est tout à fait non. Et son l'autre bagage. Moi-même, personnellement, je fais expérience ça. Et c'est peut-être ces raisons ça qui fait m'aimer et avancer sur et garder comment le phénomène migratoire évolue dans le monde. Donc, j'ai toujours pensé République dominicaine. Terre différent. Là, moi, je viens en République dominicaine en 2011. Premier, ça me fait me toucher terre pour me garder. Qui ça fait nous, pas et la caille, nous, pas l'école, pas l'université. Donc, on a couru comme ça. Voilà. Pour nous faire une question, qui est-ce que et la migration haïtienne et Rosario et Spectativa vs Realidad. C'est ça. Donc, son livre qui est écrit en espagnol, qui actuellement qui est en processus pour me traduire dans l'autre langue français avec anglais. Donc, le livre là déjà sur Amazon pour moi qui parle espagnol, qui lit espagnol. Donc, tout à l'heure, je pense que nous lit espagnol, peut-être nous ne devons pas parler, nous très intelligents, nous sommes assez intelligents. Donc, il y a un livre là sur Amazon, depuis qu'il a écrit non moi Kissner Jean-Marie, et il a écrit Situation ou bien Migration de los Haïtianos en Rosario, Expectativa vs Realidad. Donc, il y a un livre là, il y a acheté l'île pas cher, et c'est.
$18. C'est ça. En tout cas, merci Kessner, Jean-Marie, pour l'Ivesaïd, c'est Cosmon avec nous là, sur Réalité Pays d'Haïti. Nous souhaitons bonne chance. Nous prenons pause, nous prenons tout à l'heure. Restez avec nous sur Alain TV en hier. Retour à nous parler santé avec une foire santé qui est organisée vendredi 13 octobre dans la cour, dans les jardins de ANB, en Medical Associates. C'est une façon pour que, eh bien, les clients aient ouvert l'espace à monde qui est habitué à fréquenter, à visiter tout, pour qu'ils puissent non seulement faire screening dans différents cas à l'activité là. Monsieur, comment ça s'est passé? Bon, Patrick, je suis content pile que vous venez, vous venez regarder. Et foire ANB a fait aujourd'hui. Donc, son foire que nous faisons chaque année. Mais année ça a vraiment vrai, nous faisons le plus grand. Nous avons pile monde là, nous avons pile monde dans la communauté qui vient. Nous comptons qu'on vient tout. Et nous comptons que tout le monde qui vient là, qui vient participer avec nous. Nous avons dentiste là, nous avons docteur pied, nous avons docteur yeux, nous avons monde qui fait mammogramme, nous avons monde qui fait examen pour dents. Donc, nous avons un paquet d'autres monde qui vient participer avec nous pour nous bailler la communauté. Une belle forme médicale. M'a dit que buffo ça non seulement c'est fait dépistage pour maladie telle que tension, moun qui a problème sucre, moun qui a problème avec médicaments yo, mais but en tout c'est inviter moun vinn nan ANB, nouveau malade vinn là, vinn wè office là. J'aime dire au moun même lorsque pas arrêté mais vinn garder ça que ANB capable offrir ou vinn wè différence qui gagne avec ANB à l'autre côté. L'on vinn là ou joine docteur haïtien compétent. Moun ki konn sa ke ap fè, moun ki entraîné ici, moun ki gen sa rele board certification, docteur ki vraiment vrai capable bon tout soin qu'on mérite. Mais tout jwenn staff pou bati, ou jwenn accueil, ou jwenn ambiance qui vraiment unique, ou jwenn bel jardin, nou gen lac lan la, côté nous fait thérapie, nous fait yoga avec moun, nou gen l'autre docteur qui là, nou gen docteur qui occupé maladie cancer, maladie sang, nou gen pharmacie Walgreens, nou gen cardiologue, nou gen docteur pied, tout bagay sa yo, nous mettez ensemble qui fait ANB vraiment. Donc, dans mon monde, viens garder vraiment vrai. Viens ouais pour qui ça ANB gen 22 ans dans la communauté ça. Côté que nous avons un service qui est inégalé. Donc, pendant la période ça, nous avons aimé que nous venions garder. Ou pas qu'à venir, nous avons cherché ou la caille, nous avons trop content de venir chercher ou. Et même lorsque nous avons eu un téléphone, pour demander nos renseignements, qui service que nous offrons, nous avons trop content vraiment vrai. Et essayer d'expliquer ou. Pour qui ça vraiment vrai, ANB a fait une différence en vie. Dans la santé, ça, docteur Alan Brezo, qui a plus de détecter la carrière de l'individu qui fait ce qu'il y a? Bon, je dis que, et comme d'habitude, nous connaissons que dans la population noire, nous avons une épidémie de diabète avec tension. Nous avons un nombre disproportionné de monde qui fait tension avec un sucre. Donc, ce n'est pas seul haïtien seulement. Vrai, nous avons un pile et la population même avec nous, caribéen, donc en pile tension, en pile maladie sucre. Mais nous avons tout le monde qui a un problème arthrite. C'est ça que fait aujourd'hui là, nous avons physical thérapie, nous invitons les thérapistes qui viennent là, viennent faire évaluation pour nous. Il y a des gens qui prennent un petit massage, des gens qui prennent un petit conseil, et des gens qui ont préféré pour faire thérapie. Tout. Donc, nous avons un pile cas avec un paquet de l'autre, mais vraiment vraie maladie tension, maladie sucre, maladie arthrite. C'est eux-mêmes que nous plus souhaitons. Et c'est ça que vraiment, vraiment, aimer aider les gens qui ont des problèmes de douleur dans le dos, les gens qui ont des douleurs dans la ceinture, les gens qui ont des douleurs dans le genou, les gens qui ne sont pas contrôlés, les gens qui disent que le sucre est en hauteur, les gens qui disent que oui, je ne vais pas prendre insuline, je ne vais pas prendre insuline. Tout le monde, ça, nous disons là, moi-même, docteur innocent, avec tout l'autre docteur, toute équipe ANB, tout employé, nous là pour nous répondre aux questions. Mais tout ce opportunité, tout parti, il y a des gens qui ont des questions sur l'assurance. Jean-Claude Kounia là, nous avons une saison, ça a été open enrollment pour Medicare.
c'est période ça à côté que moun nan capable changer assurance ou bien moun nan capable changer clinique tout. Si moun nan pas remé côté lié, moun nan pas satisfait avec ça que le bureau se voit dans 2023 ou 2024 pour nous, nous capable aider moun ça à gon meilleure expérience. AMB pour toute assurance, j'aime toujours dire Aetna Medicare, Humana Medicare, Simply, Blue Cross Blue Shield, Care Plus. Nous prenons toute l'assurance. Yo, son jean pour nous l'envie là, pour nous essayer de bouger nos assurances. Nous chita avec vous, nous gardons ça qui est bon. Donc, si nous avons aimé vini, vini connaît plus, nous chita avec vous, selon besoin que vous gagnez, nous sommes capables vraiment de diriger vous dans l'assurance que nous pensons qui est bon pour vous. Donc, nous avons toute l'équipe qui est là, qui a fait ça et les benefit review, n'a pour reviser bénéfices qu'on gagne dans assurance là et n'a bon conseil qu'on y a qui assurance cap pi bon pour 2024. Donc sous nos assurances vous pensez que tout va marcher bien pour vous, donc vous pas obligé changer. Mais cependant sous ta remède gagne l'autre service pour pas gagne qu'on y a là, viens juste avant là avec nous, n'a capable toujours dire ça que nous pensez qui capable pi bon pour vous. La santé nous est très important pour nous jouer le bon docteur, bon physiothérapie qui pouvons nous conseiller, qui pouvons guider nous, qui pouvons dire ça pour nous faire. Et puis, vous venez dans AMB, vous pouvez toujours venir dans AMB. Parce que, regardez côté ça, c'est State of the Art Medical Center. Vous avez passé le best. Et même, j'entends, même dans la physiothérapie, vous avez passé le best. C'est pour nous take care of santé. Venez pour faire mammogramme, venez faire physiothérapie, venez regarder combien de force vous avez, venez marcher, sortir sous cabane, sortir dans la taille. Actif pour nous, là, pour nous actif encore. Quel rôle la physiothérapie joue dans la vie en monde? Nous disons que movement is medicine. So all physical therapy is movement is medicine. De pour gain douleur ou pas qu'à marcher, c'est de pour actif encore, de pour bouger, movement is medicine. Parce que c'est très important pour actif. Plus sous chita sous carbone, plus sous coucher sous carbone, plus sous chita, moins sous actif. Ouais, mais prenons dans cette machine ça. Ou prend, ou met, ou tâche le bois ceinture. Et puis, il calcule combien de steps pour faire. Moi, je recommande tout le monde de faire 10,000 steps a day. C'est-à-dire que l'on marche, pour l'on marche, il calcule combien de steps pour faire, combien de steps pour faire. Donc, il faut qu'on moniteur. Par exemple, je sortir là, il vient là, il fait 19 steps, il calcule 19 steps. Ce sont des gens pour encourager nous pour nous bouger. Parce que plus nos chita, plus on a plus de problèmes, on a plus de genoux, problèmes d'eau, et on a moins actif. Ok? So, ce jeune samedi, movement is medicine. Et une la bagage qui spécial et me penser avec AMB Patrick, c'est que AMB et son idée de santé que lié, c'est pas simplement on bagage côté que n'a pas un monde et un médicament ou bien une prescription, et parce que souvent il réduit et concept santé à un bagage qui est très limité, mais un bagage que nous réaliser c'est que souvent il est très difficile et pour atteindre au niveau de santé, côté qu'on sent ou confortable ou à l'aise, corps pas bon aucun mauvais signal, si que tout élément qui est dedans ou pas bien balancé, parce que yon la bagaille travail que n'a fait et qui très intéressant mais qui gagne ça nous les challenges dans tout, c'est comment que nous réussi et des monde connecter différents parties qui mènent à santé, non seulement partie physique au monde mais partie mentale au monde, parce que Jean ou connaît nous fait conversation ça y en pile, et tout autant que bah ça y pas bien aligné, et souvent gagne en pile bagage qu'on pas qu'à adresser. Et ces jours-ci yo parlé en pile de déterminants sociaux et de santé. Déterminants sociaux de santé, yo veut dire que ou pas simplement qu'à adresser santé à l'on seul et niveau, ou obligé à adresser santé à l'on paquet de niveaux différents. Et penser que yon la challenge quand AMB by tête li, c'est qui gens que nous ka améliorer et aliment ça, et si vous voulez partir en différents parties ça yo qui yo même contribuer à sensation que m'ta ka dit de santé qu'on moun ka gagne, parce que visiblement et santé a pas simplement un bagage physique, li gen partie mentale là, li gen aliment social là, et pour nous même adresser différents composants ça yo, et puis augmenter accès et que moun ki nan communauté nous gagne à soins de santé de qualité, ça a son lot et objectif que nous gagne là AMB. Et me penser que si nous réussissons objectif ça, nous pas simplement
a servi et tête pas nous mais n'a servi monde qui dans communauté a par rapport avec ça yo gain pour joindre en termes de qualité dans service santé pour nous mêmes si nous réussir faire monde et joindre et ta ka dit même son sorte de joie que lié parce que souvent et si un docteur bon médicament pour douleur mais l'on entre la car ou gain des autres problèmes pour pas réussir à adresser qui ont ti gens pas agito quand ils ont dormi et ben souvent même si douleur a passé mais le fait qu'on pas dormi hein ou senti ou agité ou senti ou pas bien mais si peut-être que nous même nous aidons à adresser tout côté ça ensemble qu'on on doit peut-être sentir mieux et l'on sentir mieux hein, nous même nous réussir travail nous parce que nous réussir travail nous à un autre niveau et Jean Carwell là gan pile bagage qui entre dans ça et ça fait partie de et même staff là tout et pour staff là adresser et problème que moun yo ka gagne dans toute qualité niveau ça m'a demandé en pile réflexion. Alors quel type de cas plus rencontré là dans screening ça je dis à bon nous joignons en pile moun qui gagne problème et tension et qui peut-être pas d'a réaliser que tension était haut nous joignons des moun que sucre gagne droit débalancer yo pas même au courant de ça et nous joignons en pile moun qui diabétique qui peut-être gagne longtemps que pas prendre médicament donc on pense que souvent et une la baga qui gagne la santé a c'est que l'on regarde bien Patrick c'est et est-ce que on monde vraiment conscient de bagage qu'on fait chaque jour décision qu'on prend sur bagage qu'on prend manger décision qu'on prend pour engager corps physiquement pour faire exercice le matin ou décision pour éviter fond colère qui peut-être lui-même doit causer que ou fait un stroke ou bien on fait un bagage qui peut-être lui-même vient créer un mauvais et bagan dan qui fait que peut-être vous vienne paralyser gagne des monde qui gagne droit attendre des monde là après que fin font colère et puis monde en fait un heart attack monde en fait un bagage qui grave mais qui par rapport avec peut-être un type de bagage que le pas contrôler et qui peut-être commencer l'on mauvais émotion négatif monde qui fait que stress qui gagne dans la vie bon nous et nous parler de ça loin là mais on regarde ça qui passe ces jours-ci dans la vie en général Patrick on voit que stress tout côté on pas même besoin chercher d'ailleurs stress à voler sur même l'on fait lever dans cabane nous parce que souvent et ça que nous tout nous fait l'on nous fait lever dans cabane nous c'est que nous prenons téléphone nous on regarde nouvelles ou ben regarde WhatsApp nous regarde qui vidéo qui vient on ca garantir dans 99% des cas ça qu'on joue en premier dans WhatsApp ou bien ça qu'on joue en premier dans nouvelle là il va jamais un bagage qui très plaisant ils sont bagage qui on ti gens pour l'agito parce que la parle de problèmes qui gagne en Haïti problèmes qui gagne en Israël en Syrie en Palestine problèmes qui gagne l'autre côté sous la terre et puis qu'on y a il agité en dedans parce que ou pas senti qu'on gagne aucun contrôle sur tout bagage donc pour moi même santé a mandé des fois que nous-mêmes nous peut-être prendre ça nous pour nous respirer pour nous calmer tête nous et puis pour nous faire des bonnes décisions le premier mouvement que nous faisons dans la journée hein. Au lieu pour ce téléphone pour courir prendre peut-être que ou quand font petit exercice ou font petit marché dehors pour respirer bagaille ça est bon pour cœur est bon pour tension est bon pour cholestérol ou réfléchir à qui ça qui bon et qui l'envie a et parce que malgré tout ça gain de yo on pense que grand pile bon bagaille tout et ou respirer ou pas l'hôpital ou conseil de bagaille comme ça tout bagaille ça yo fait que ou vinn bon meilleure santé parce qu'on bon meilleur équilibre en général et par rapport avec gens qu'on ressenti. Voilà, nous sommes parlé santé, nous parlé politique, nous parlé migration avec Christine Marie. C'était l'essentiel de l'émission aujourd'hui à l'interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.